Je l'ai tué. Tu es plus fort maintenant. C'est ce que tu as toujours voulu. La puissance. La puissance absolue, Virgil. Tu es un fils de Sparda. Deviens le fils de Sparda. Bienvenue en enfer, mon frère. Je n'ai plus de frère à présent. Charmant. Tu sais, c'est moi qui vivais en cavale, dans les taudis. Toi, t'avais une petite vie tranquille. Maintenant, regarde où j'en suis. T'as ta place nulle part. C'est pour ça que t'es là. Et aussi parce que je t'ai tué. Hein ? J'adore le nouveau look! Salut tout le monde, c'est Orlink et bienvenue pour le troisième épisode de ce let's play sur le DLC de Devil May Cry, la chute de Virgil. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, dans la dernière mission, nous avions poursuivi Kat, qui semblait avoir des ennuis, mais qui finalement semblait nous en vouloir. Et nous l'avons tué, comme l'a dit Virgil dans la petite cinématique du début de cet épisode. Et donc là, on doit poursuivre Dante. Je ne sais pas pourquoi non plus. Peut-être la... Ben, pour se venger finalement. Et donc, il nous a envoyé valser. Il faut qu'on aille le chercher, mais d'abord je vais aller par ici, voir s'il n'y a pas quelque chose. Ok, c'est juste un autre chemin. Je pense. Oui. C'est ça. J'entends un truc. En haut. Bonjour. Allez, viens à moi. Merci. Ok, donc faut aller là-bas. Allez, où il est Dante? Où est-il? Oula. Capacité obtenue, mode démon. Les attaques démoniaques de Yamato infligent de lourds dégâts. Ok, donc ça, c'est la partie démoniaque de notre arme que l'on va pouvoir exploiter. Donc du coup, des coups plus puissants, mais des coups beaucoup plus lents. Ça peut être bien à certains moments. Non, je pensais qu'en le chargeant, ça ferait quelque chose de plus. Il semble pas. Allez, attaque. Je sais pas s'il y aura plus de combos que ça pour l'instant. Donc lui, il faut vraiment l'attaquer à l'arme démoniaque. Ok, je veux voir un peu, merci. Ok, donc il n'y a pas de bouclier, on peut y aller à la normale. Hop. Ce que je vous ai pas dit, c'est que entre les deux épisodes, j'avais un point de compétence que j'ai mis pour améliorer... Qu'est-ce que c'était? Ben, c'était mon coup chargé, je crois. C'était celui-là. Qui fait plus mal, je crois que c'était ça. Hein. Je dis pas de bêtises. Attendez, liste des combos. Capacité, j'avais rien pris. À moins que ce soit ici. Je sais plus si c'était ici. Bon, je sais plus. En tout cas, je me suis pris un truc. Je suis un peu plus puissant, donc c'est très cool. Hein, c'est très cool. C'est tout ce qu'on aime. Et maintenant on tabasse. Yep. Allez, on meurt, s'il vous plaît. Aïe. Ouh, il a fait mal lui. Allez. Aïe. Oh. Toi, tu vas prendre cher. Allez, prends-toi ça. Allez.
Hop. Voilà. Ok. Encore plus, toujours plus. On va tuer les petits en premier. Nope. Hop. Allez, tue le petit. Voilà. Toi. Hop. Allez, attaque. Ah. Oh. Dommage. Ok. Plus que les gros. On va leur détruire le bouclier. Hop. Je pensais que ça l'aurait touché. Tant pis. Ah. Attaque. Allez, meurs. Allez, meurs. 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 Merci. Aïe. Ah. Bah, sérieux. Allez, meurs. Merci. T'es en train de me suivre? Ouais, je suis pas loin. Tu peux pas devancer ton grand frère. Essaie encore. Ça, voilà, c'est pour moi. Ok. Ça nous en fait combien? Ça nous en fait 3, je crois. Objet. 3, ouais. On en a 3. Encore une. Ça nous fait une croix en plus. Et on pourra avoir de la vie en plus. Par où je passe? Ah, par là. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dante en fait? C'est une hallucination, une réincarnation, je sais pas. Je ne le comprends pas trop. Ok. Ok. J'espère que j'ai un raté derrière. C'est pas grave. Allez, continuons. Je pense qu'il est plus loin, Dante. Tirez sur la plateforme pour la matérialiser. Ouh. Du gameplay en plus, ok. Bon, c'est pas non plus du gros gameplay, mais... Hop. Ok. Ici, on peut passer. Il n'y a pas quelque chose ici. Non. Ok. Hop. Voilà, bonjour. Ah, une statue. Une statue, une statue. Objet, qu'est-ce que je peux acheter? Je sais plus. On va aller voir les améliorations, du coup. Qu'est-ce que j'aurais pu acheter? Qu'est-ce que j'avais acheté? Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah si, c'est ça, j'avais pris les épées invoquées, voilà. Le niveau 2. J'avais amélioré mes épées. C'était ça. Ok, bon. J'achète rien pour l'instant. Ça sert pas à grand chose. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Ça semble la salle de combat. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache au moins avant d'aller plus loin? Non. Renonce, Virgile. Allez, c'était sûr. Voici la barre de diabolisme de Virgile. Elle sert à activer ses capacités spéciales. La consommation de la barre de diabolisme varie selon les différentes capacités. La barre de diabolisme se remplit en attaquant des ennemis. Maintenez X pour activer les épées tournoyantes. Ok. C'est ce que je fais. Ouh. Ah, c'est cool. Ok. Ça peut être très utile. Yep. Allez, meurs. Non, il faut pas. Ish.
Hop. Tac, 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 tac. J'ai eu mal. Aïe, oh. Mais tu meurs tellement si tu te prends ça dans la vraie vie. Ok, il y a des gros avec leur bouclier. Allez, on y va, on casse. Hop. Allez, prends-toi ça. Allez. Ok, lui il est mort. Plus que deux. En fait, c'est très très lent du coup. Allez, meurs. 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 Voilà, merci. Hop. Aïe. J'aurais dû esquiver encore plus. Allez. Allez, meurs. Voilà. Ouh, putain. Le retour des gros. Ok. Aïe. Bonjour. Tu viens? Allez, viens. Bonjour. Allez, vas-y, viens. J'attends. Hop. Donc du coup, la technique c'est dans la même. Enfin, c'est la même que dans le jeu principal. On la tire, on se téléporte et on attaque. Et on esquive. Tac. Active les trucs. Il fait bien mal. Voilà. Ok. Où est-il? Arrête-toi, Dante. Qu'est-ce qu'il y a là? Le vide. Ok. Bon, apparemment les lames restent tant que j'ai pas la barre de diabolisme vide. Arrête de me suivre partout. Ah mais je te suivrai partout où tu iras. J'irai où tu iras. Bonjour les droits d'auteur. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ouh. Petit secret. Bonjour. Ah ouais. De la vie. Hop. Plus 10% de vie. Très bien. Par contre c'est un peu chiant les lames. Vous voulez pas partir? Cette violence. Voilà, il me semblait bien que j'avais entendu pendant la cinématique. Meurs, s'il te plaît. Merci. Ok, j'ai un point d'amélioration. Je vais pouvoir me débloquer un nouveau combo avec le la partie démoniaque, le mode démon. Donc du coup, écrasement. Ok, c'est parti. Alors, oula. Hop. Allez. On fait effet les lames. Ok. Ouh. Prends-toi ça. Ok. Allez, attaque. Voilà. Toi, tu viens. Voilà que je te bute.
toi. Encore un truc comme ça. Allez. Ça. Aïe. Ok. Il en reste un encore. Ouais. Toi, allez. Viens là. Iiii. Voilà. Toi maintenant, tu viens là. Merci. Bonne strat ça je pense. Tu l'envoies en l'air, tu fais le truc que je viens de débloquer. Hop. Tu l'envoies en l'air, je dis. Et il est mort. Ok. Active les lames, merci. Allez viens là. Voilà, c'est très utile ce truc. C'est cool. Ok, là y'a rien. Ok, donc où est Dante? Il est où? Où est-il parti? Allez, c'est parti. Ouh. Ouf, j'ai cru que tu l'avais loupé, Virgile. Là, merci. Lâche. Ah, il s'enfuit. Nope. Allez, tu meurs. Voilà, merci. Évidemment, on peut pas passer quand on a un combat. Donc, on est obligé de se les farcir. Boum. Ok. Moi, je l'ai envoyé dans le vide. Super. Hop, c'est ce que je vais faire en fait, je vais les envoyer dans le vide. Boum. Meurs. Ah. Oi, 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 oi. Active les lames. Non, ça te fait mal quand même. Ça te fait mal quand même. Aïe. Ouh. Et on va se calmer là. Je fais trop le con. Je fais trop le con. Je fais trop le con. Hop. Ah non! Ça commence bien! Allez, vous! Tu le bouclier! Hop! Aïe! Aïe! Prends-toi ça. Tu veux pas partir dans le vide? Voilà. Allez vite, on poursuit Dante.
nulle part où aller. Nulle part où aller, attendant, il y va. Non, devant. Allez, on le poursuit. Hop. Allez, poursuis-le. Hop. Alors viens. Allez, on s'y met. Oh là. J'avais pas vu que la plateforme était immatérielle. Voilà ce que j'attendais. Une dernière blague à faire, Dante? Ou t'as quelque chose à ajouter? Bien. Non. S'il te plaît, non. Tu n'en as plus besoin. Ok. Bon, on aurait tué Dante. Enfin, je comprends pas trop cette notion de tuer en fait. Parce que techniquement, t'es mort. Et c'était pas vraiment le vrai Dante. Donc, je ne sais pas. Je sais pas quoi en penser en fait. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Voilà, je comprends pas tout. Voilà, cette notion de mort alors que toi-même t'es mort, je sais pas. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Et je vous retrouve dans la prochaine mission. Allez, salut tout le monde !